Aujourd'hui, j'ai piégé des enfants de 6 ans en fille. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car elle est vraiment incroyable. Et n'oubliez pas le code SUPUGO pour pêcher des jolies blondes. On va commencer par inviter le petit de la dernière fois. Il est là, le pauvre 2010. On l'invite. Allô, SUPUGO? Oh non, il croit que je suis SUPUGO, comme là mon pseudo c'est SUPUGO. Allô. Mais vous inquiétez pas, on a tout prévu. Salut, c'est la sœur de SUPUGO. Oh, wow. Ça va? Bah ouais. T'es mignon en vrai. Mais toi aussi t'es mignonne, t'as une trop belle voix. Oh, il est trop mignon. Merci. On va adorer un poupée. Quoi? C'est normal pour les belles filles comme toi. Ce petit est un vrai charo, il commence déjà. En plus moi je suis Spider-Man, je peux te sauver bébé. Mais il est malade, je le connais pas. Je suis la sœur de SUPUGO et il m'appelle déjà bébé. Il est fou lui. Merci BG, t'es grrr. Toi aussi t'es grrr. Je suis trop belle. Ça se voit avec ta voix. Pourquoi tu veux pas lancer de game? Mais je lui ai jamais dit ça. Je mets du haut et je mets prêt. Si là on arrive à faire un top 1, tu me fais un bisou sur la bouche. Il est fou. Il m'a proposé un défi. Si on fait top 1, je dois l'embrasser sur la bouche. On va lui répondre. Oui mon chat. Allez ma petite chatte. What? Ce petit est incroyable. Tu veux aller où? Moi je veux aller ici. Ok. Oh là là, mais t'as une trop belle voix. Merci BG. Y a même pas de ville où il a mis son point. Y a un mec devant moi. Mort. Oh mais t'es trop forte. On va rush, let's go. Le top 1 pour le bisou sur la bouche. Spider-Man. Ah c'est bon, tu l'as tué. Y a des mecs en bas. Un de KO. Bébé, meurs pas. J'ai plus qu'une balle de pompe. Je suis mort, y'aura pas de bisous sur la bouche. Allô? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Oui mon chat. Ok, t'as quel âge? Oh les mecs, ce charo demande déjà mon âge. J'ai 17 ans. Moi j'ai 18 ans. Pardon? Pardon? Mais vous avez entendu cette voix, c'est impossible, il a pas 18 ans. On va lui répondre ok. Ok. On fait une game? On va le recal pour voir sa réaction. Non. Tu veux du créa? Oh, bonne idée. Oui. Mais sinon, toi t'as le permis ou pas? Il demande si j'ai le permis alors que j'ai 17 ans. On va lui dire non. Non. Mais t'es un couple ou t'es célib? Oh mais les mecs, c'est quoi ce charo? On n'a même pas encore commencé à jouer. Il me pose déjà cette question. Moi je suis célibataire. Ah ok. T'es célibataire? Ouais mais genre je te propose un truc. Si tu me bats en 1v1, t'as capté le bail. Je largue ma go pour toi, ok? Oh my god! Oh là là, il a dit qu'il quittait sa meuf pour moi si je le battais en 1v1. Les mecs, je vais tryhard et je vais tuer ce charo. Comme ça, il va quitter sa meuf. Pas pour une meuf, pour un mec. Je suis un génie. Ok, t'es grrr. Merci. Toi, t'as une voix grrr. Il est malade. Tu viens d'où? Je viens de Paris. Et toi? Paris. Est-ce que les gars, vous pensez que le petit Mbappé, il m'aime déjà? On va lui demander. Tu m'aimes? À voir pour la suite. Ok, ok. Ah oui, et je vous le rappelle, faut le battre en 1v1. Comme ça, il va quitter sa meuf. Si tu me bats en 1v1, ça. Ouais, en vrai, ça pourrait. Ok. Pour l'instant, je sais pas trop. On va bien tryhard. Du coup, tu veux Théma ou pas là dans ce que j'ai acheté? Oui. Multiclonage. Ok. À part ça, tu fais quoi dans la vie? Là, je travaille en tant que policier. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais sinon, dans mon temps libre, je suis dans une start-up, je gagne à peu près un million par mois. Ouais, c'est ça. Enfin, attends, je regarde. 1 720 000 par mois, exactement. Je pense que ce petit a trop bu. Bon, les mecs, c'est parti pour le 1v1. On va le tuer pour voir sa réaction. Il m'a mis quelques dégâts là, les mecs. Dégage! Non, il m'a tué! Oh, t'es fort, toi, pour une fille! Oh, il est trop sympa! Vas-y, t'as le droit à une deuxième chance. Merci, BG. De rien. Il me laisse une deuxième chance. Allez, c'est parti. Putain, je suis nul en edit. Oh, la tête! T'es nul. Tu veux savoir quelque chose ou pas? Oh, ça m'intéresse. Oui, mon chat. Voilà, j'ai des sentiments pour toi, je te kiffe. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gros charo? À ce qu'il paraît, les gars, il a une meuf et là, il dit qu'il a des sentiments pour moi. Alors que ça fait 5 minutes, je le connais. Pour le rendre fou, on va lui dire... Je t'aime. Du coup, c'est réciproque? Bah oui. Oui. Écoute, je suis confus. C'est la première fois qu'on me dit la même en retour. Il a une copine, c'est pas logique. On va l'appeler pour qu'il vienne ici. Bébé. Ouais? Oh, il est venu. On va lui dire qu'on cherche un mec. Je cherche un mec. Je pense que t'es tombé sur le bon, hein. Incroyable. Épouse-moi. Non, pas quand même maintenant. T'es pas encore majeur. Il a raison. Je t'épouserai dès que t'auras 18 ans. T'as dit quoi? Je t'épouserai dès que t'auras 18 ans. Bon bah les mecs, dans un an, quand Léa aura 18 ans, je pourrai épouser ce petit charron. On va lui donner mon numéro de téléphone pour voir sa réaction. Tiens, mon numéro 06 24 54 22 37. Redis ton numéro, j'ai pas le temps de l'enregistrer. Ok, 06 24 54 22 37.
C'est bon, tu veux que je t'appelle maintenant pour être sûr que c'est le bon num? Mais il est malade ou quoi? On est sur Fortnite et là on est en train de se parler. Non. Ok, bah je t'ajoute au contact. Ok. Mais du coup, tu me kiffes en retour ou pas? Bah oui. Oui. On va lui dire qu'il est gourmand. T'es gourmand? Ça va, mais je suis pas gros. Je fais de la muscu, j'entretiens mon corps. Bizarre. Tu veux qu'on refasse un 1v1? Oui. Et là, si je gagne, je te demande en mariage. Ça te va? Oh, incroyable! On va tryhard. Regardez comment va le chicken. Bruh. Oh, GG! Il m'a mis une tête! Il y aura pas de mariage! Je suis trop belle. En même temps, il y a que la vérité qui peut le dire, donc la vérité sort de ma bouche, donc c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce charreau, les gars, avec ces petites disquettes, là? Les gars, si on le tue, on va lui demander son snap. Oh, GG! Il est trop fort! En même temps, désolé, quand je me mets dans ce rythme-là, ça me donne toujours des envies de compétition, désolé. Qu'est-ce qu'il raconte? On va lui demander son snap. C'est quoi son snap? Mon snap, c'est ETHA2332. Ok, merci BG. T'as rien en Belgique. Tu veux qu'on sorte ensemble ou pas? Oh, il a pas le temps. Oui, mon chat. Je vais te dire un truc, je largue ma meuf pour toi, parce que toi, t'as l'air deux fois plus belle et la voix, elle est deux fois plus magnifique. Oh là là, la pauvre meuf, ce charreau à Tège, sa vraie meuf pour un mec, il est malade. On va lui dire... Je t'aime. Moi aussi. Tu peux dire un truc à ton frère? Oui. Tu peux lui dire que après il m'appelle sur Discord à 22h. Et là, vous allez vous dire comment il sait que Léa a un frère. C'est parce qu'au début, les gars, j'étais supugo et je lui ai dit que je veux passer ma sœur. S'il te plaît, du coup. Et je lui ai dit, les gars, que ma sœur le kiffait. Et là, il croit trop que c'est la vraie sœur de supugo. Ok. Désolé, hein, mais je vais bientôt arrêter. Ma co, elle se coupe à 22h. Pourquoi? Je sais pas, ma box a bug, ma box internet, donc... Oh non! Désolé, hein. T'es méchant. C'est ma box internet qui marche pas. Ta gueule. Allez, bisous. D'accord, salut, je t'aime. Oh, il est mignon. Tu m'envoies même pas de message en retour, c'est méchant. Oh non, il va pleurer. Allez, on va être gentil. Je t'aime. Bon bah, salut, du coup, oublie pas de dire-le à ton frère, hein, qui m'appelle, s'il te plaît, sur oui. Discord. Allez, bisous. Là, le petit Mbappé est en train de nous appeler sur Discord. Écoutez bien ce qu'il va me dire, car il est sûr à 1000% qu'il a pécho la sœur de Supugo, alors qu'en vrai, depuis le début, c'est moi. Et surtout, la réaction à la fin, quand on lui annonce que c'est Supugo depuis le début, elle est incroyable. Allô? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Eh, ta sœur, c'est une folasse. Elle m'a dit, vu que je suis riche, elle m'a dit, je couche avec toi, genre, pour 10 000 euros. Elle a vraiment dit ça? Ouais, en plus, elle m'a passé son nu, mais j'y ai donné mon snap. Eh, en vrai, on va pas se mentir, hein. C'est une chaudasse. Mais mec, t'es malade! Elle a envie que je la ken, en plus. Ma sœur, mon pote, après, je descends en bas, je vais l'engueuler, tu vas voir. De toute façon, c'est une grosse folie, j'adore les folles. Mais mec, t'es malade. Et mec, j'ai une question, moi aussi. Vas-y, dis-moi. Ça te fait quoi de Charo, la sœur de Supugo? Ah, ça fait trop d'effet, je suis trop heureux, déjà. Je pourrais te rencontrer pour la première fois, mon beau frère Hugo. Mais mec, t'es vraiment malade. Depuis le début, je t'ai troll. C'était pas ma sœur et c'était moi. Eh putain, t'es un bâtard, je vais faire la soupe, enculé.